j'espère que vous allez bien. Jour 2 du défi des 100 jours, saison 10. Donc je vous ai fait une vidéo hier sur mon défi des 100 jours. Pour le commencer, j'ai commencé à écrire le jour 2, la page du jour 2. Je n'ai pas le livre là en fait, ça sert à rien. J'ai écrit la page 2 de mon livre du défi des 100 jours. Donc le jour 2, je n'ai pas écrit encore les intentions, mais il se passe des trucs encore plus exceptionnels que ce que j'imaginais. Comment vous expliquer que là je sors d'un rendez-vous? Alors en fait il est 18h, je n'ai pas fait de vidéo ce matin, je la fais que ce soir, donc je sais pas si je vais la diffuser le lendemain la vidéo, donc c'est pas grave, vous l'aurez quand même. Mais du coup je sors d'un rendez-vous parce que j'ai une personne qui m'a contacté suite à mon vlog de la dernière fois du gyrocopter. Comme quoi ça sert en fait de faire des vlogs, de montrer cet enthousiasme, de faire de la vidéo non-stop comme ça. Et en fait cette personne là a un club est dans un club de spéléo, de spéléologie. Et en fait c'est trop bien parce que j'ai eu rendez-vous avec lui, donc à mon avis il va voir ce vlog. Alors je te fais un gros coucou Johan et je te dis merci d'avoir pensé à moi pour ça. Il m'a demandé si je voulais, si ça me ferait plaisir de descendre avec eux dans le Cosco Rétien, donc dans des cavernes, dans des grottes, dans des faire d'escalade et tout. Et comment vous dire que oui, j'y vais. On a eu rendez-vous à l'instant pour se rencontrer, pour en discuter un petit peu. Donc là on est en train de caler une date en octobre pour descendre en spéléologie, pour que je filme comme je fais d'habitude, faire du vlog, pour parler un petit peu de leur club de spéléo et qu'en même temps je me fasse plaisir. Donc il m'a parlé un peu de la qualité qu'il va y avoir, donc il va y avoir un peu de marche, il va y avoir un peu d'escalade. Je n'ai jamais fait d'escalade de toute ma vie, il va falloir que je descende et que je remonte 15 mètres de falaise, en fait, juste pour dire. Et on va arriver apparemment dans une grande salle où il y a du sable blanc, du style une plage quoi. Et donc on cale ça, ça va être extraordinaire. Je voulais vous le faire partager en vidéo parce que c'était un de mes projets que j'avais là récemment, de faire du parachute. Je voulais faire du parachute. Et puis finalement, en fait, j'ai plein de petits trucs qui se goupillent autour. Donc j'ai fait mon baptême de l'air, là je vais faire mon baptême de la terre. Je vais appeler ça comme ça. Mais en clair, j'ai fait le ciel, je fais la terre. Après peut-être que je referai la mer. J'ai déjà fait la mer, donc ça c'était pas mal. Mais du coup, bientôt, je sens que ce projet, je vais mettre dans mes intentions de faire du parachute, va vite arriver en fin de compte. Et c'est trop bien. La loi d'attraction, le fait de se mettre des objectifs et tout, c'est juste extraordinaire. Je vais vous mettre dans ça, je vais vous expliquer toutes les techniques que j'utilise. Il y a plein de choses encore là, j'ai un rendez-vous avec un groupe corésien qui se produit là à Brive tout à l'heure et je vais aller les rencontrer parce que j'ai peut-être des projets avec eux de collaboration et de vidéos, de clips et tout. Donc c'est juste extraordinaire. Là il y a on a fait la conférence, on va faire notre première conférence en développement personnel. Là j'ai encore vu mon pote Karim, d'ailleurs que je remercie infiniment parce qu'il m'a fait faire un déblocage sur un truc que je ne vous ai pas parlé la dernière fois, je vous en ai peut-être parlé en vidéo je crois, mais sur la peur de parler en public et de faire des vidéos en public. Et maintenant grâce à lui je peux faire des vidéos en public. Je suis pas en public là parce que je vais partir, mais je vais vous faire maintenant des vidéos comme ça dans la rue en train de parler. Grâce à ce Karim là qui est coach en développement personnel et qui m'a fait péter un blocage. Donc merci mon Karim, j'ai fait ta vidéo, voilà. Et puis voilà, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Merci, merci la vie, merci infiniment. Donc bonsoir à tous, alors on va demander de le faire comme ça parce que c'est un tuto beauté. Donc je suis avec les humeurs cérébrales, c'est inopiné. Voilà, donc c'est inopiné, c'est voilà, c'est un truc rien. Inopiné, c'est un mot qu'il a employé mais qu'il connaît pas non plus. Donc alors vous allez vous présenter, vous êtes qui? Les humeurs cérébrales. Merci. Voilà, donc c'est les humeurs cérébrales. Donc ils font, vous faites deux acteurs dans ta vie. Ouais, acteurs. En fait on est acteur, scénariste, pornographe, musicien, compositeur, auteur, interprète. Et artiste peintre dans le bâtiment. Voilà, c'est ça. C'est un putain de groupe, c'est un putain de groupe, je ne sais pas écouter encore, on va voir ce soir. Oui, oui, attends. Donc ils font, on est le groupe de folie. On est le groupe de la folie. Donc vous faites quoi comme type de musique? La trance. La bonne musique. La trance musique. Voilà. Donc ce soir je les filme en fait, donc c'était, comme je disais, c'était nos films. Donc ça vous pouvez dégager maintenant. Donc voilà, vous avez enlevé ses chaussettes là vraiment. J'ai enlevé mes chaussettes. Dommage. Donc c'est une équipe de fou je pense. Tous les sceptiques, qu'est-ce qui est, c'est quoi? C'est quoi, c'est les humeurs cérébrales, tu tapes sur YouTube et tout, tu verras des clips, vidéos avec des filles qui dansent. Voilà. Ouais, si, si. Ouais, ouais. Gros. Donc voilà, donc je vais filmer un petit peu dans la soirée et on va même ce que ça donne après avec eux et. Ouais, je crois. Ça va être trop bien. Ouais, j'ai une peau de lava. Moi, j'ai une peau de lava.
Bon, ok, vous avez compris l'humour. Donc, allez, à bientôt, on s'appelle. Voilà. Ouais, ça marche, Lara, Fouget. Comme l'huile d'olive Fouget. Donc voilà, donc là on est sur la scène de l'ISDE, c'est juste extraordinaire. Il y a cette scène et on va avoir du monde. Bonsoir. Et puis voilà, ça va se passer là ce soir et puis ce soir on filme donc les humeurs cérébrales. Donc bye. Soirée terminée, soirée de tournage terminée avec les humeurs cérébrales. C'est juste un groupe de ouf, je les ai rencontrés aujourd'hui, je ne les connaissais pas. Et ils sont juste magnifiques, ils sont juste dingues, ils sont juste extraordinaires. Vous avez vu quelques images rapides. Waouh. Comme quoi quand je dis qu'il faut absolument faire y aller tout le temps au culot sur les événements et tout, moi c'est ce que je fais. Et là j'avais prévu d'aller justement le concert. Et puis finalement je me suis retrouvé à papoter avec eux, à proposer des projets pour plus tard parce que j'ai des projets avec eux qui peuvent être juste extraordinaires. C'est des jeunes, ils sont trop bien, ils ont un style de musique qui me plaît, ils ont une joie de vivre qui est extraordinaire et j'ai trouvé ça super. Sur scène ils se sont déchaînés, même après, voilà, je les adore et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de nouveaux projets très prochainement. Donc là maintenant ça va être dodo parce que demain matin, direction Limoges pour la conférence de presse de Miss Limousin qui s'annonce également très très chargée en émotions avec les 15 candidates au titre de Miss Limousin pour Miss France. Comment vous dire que ça va être une belle journée et puis l'après-midi je tourne avec Miss Limousin de l'année dernière. Oui, donc je vous disais que la vidéo a coupé en fait. Ouais, la vidéo a coupé donc du coup j'ai pas pu vous dire au revoir. Donc en tout cas c'était une très très bonne soirée. Donc là je rentre chez moi et puis je vous dis à la prochaine les amis. Bye.